Hello les jolis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver chez B&M pour une nouvelle vidéo d'arrivage. On est à l'entrée, dans la zone bon plan. Il y a un petit peu d'alimentation en arrivage, notamment des rillettes de saumon à 3,80€. Les deux petites conserves. On a également ces salades-là qui sont à 1,98€ au lieu de 2,25€. C'est quoi? C'est pommes de terre, thon, tomates, cornichons, sauce moutarde. Les haricots verts, on est à 6€ au lieu de 7€ les trois conserves. Pour les jours de flemme, soyons honnêtes, ça nous arrive à toutes et à tous. On a des riz express ici à 1,60€. Alors on a légumes, curry, on a citron romarin, tomates, on a du riz basmati nature aussi. Et le petit dernier à 1,77€, c'est riz coco façon thaï. Les petites cacahuètes enrobées, 85 centimes le sachet. Bon, il n'y a pas grand chose, 100 grammes. Ça c'est crème oignon et ça c'est épicé. Et au-dessus, si vous voulez des petits toasts comme ça, crème oignon, ils sont à 1,05€ le sachet. Par ici, regardez, on a de jolis coussins de sol. Tiens, c'est pas mal ça, ça change. Ils sont à 12€. Et ils font 45 cm de diamètre. En épaisseur, là, on est bien sur 15 cm. Bon, je me disais qu'on allait arrêter de parler de nourriture, mais écoutez, ils ont mis ça devant nos yeux. C'est des petites brioches à la crème. Alors, on a des beignets au Nutella, façon Nutella, 2,30€. Et ça, c'est des espèces de pain au lait, crème de lait ou chocolat noisette. 2,30€, les 280 grammes. Et on a 8 quantités de chaque. Non, là, il n'y en a que 5, là. Allez, on va faire un petit tour à la déco. On est dans l'univers rose. J'ai bien aimé ces coussins, là, qui sont hyper grands. Alors, la dimension, est-ce que je l'ai, là? Vous savez que c'est compliqué d'avoir une dimension chez B&M. 45 par 75. Mauvaise langue, 12€, ils sont trop beaux. Alors si vous n'aimez pas le message, je suis désolée, mais c'est une belle enveloppe tout en coton, qu'on peut déhousser en plus. Ils sont vraiment très sympas. On a aussi ces jolies lampes en rose à 10€, ça change un petit peu avec le pied en forme de goutte. Les vases avec tiges, ils sont à 13€. On a ici ces plaids à 15€, 1m30 par 1m60. Et là, on a un autre coussin, toujours en 45 par 75, à 12€ aussi, avec écrit « Together ». Voilà. Le petit miroir que je ne vous ai pas montré, il est à 20€. Les vases, 8€, buste femme, on a celui-ci à 10€. On a de jolis coussins ici en 45 par 45 à 10€ avec écrit « Love ». Et alors, les lampes, elles sont les deux à 10€. Celle-là, c'était déjà 10€. Et celle d'à côté qui a un joli pied, elle était à 12 et elle est remisée. Ok. Et ici on a des mini stop portes à 6€, font 1 kg, gris ou rose. Les jolies petites bougies en forme de rose, elles sont à 2€ les 4. Et on a déjà les plaids d'hiver, ça y est, c'est fini l'été. Bon, en même temps chez nous ça n'a jamais trop commencé. 15€, 1m30 par 1m60. Si je continue avec ces beaux coussins, ils sont à 10€. Et l'horloge que vous voyez au milieu est à 10€ aussi. Ici, on a un nouveau vase, encore donut, mais vous voyez, donut évolué, avec le trou sur le côté. Il est à 8€, en noir. On a aussi... voilà. Dépend pas, ça coûte 10€. Les eucalyptus, ils sont à 8, mais je crois que je vous les avais déjà montrés sur Fagersheim. Et en dessous, on a ceux-là, les pampas artificiels noirs, à 6€ dans leur vase. Le demi-donut à 5€. Les cadres photos ici à 7€. On a encore ces chandeliers. Désolée, je ne suis plus moi les vases, j'ai l'impression que c'est tous les mêmes. Enfin, en ce moment, on a beaucoup ces formes-là organiques. Donc j'ai un peu de mal à me dire est-ce que je l'ai déjà vu ou pas vu, vu que c'est souvent les mêmes. 5€. Ça, c'est assez sympa, regardez. À 8€, la petite plante artificielle tombante. Ici, si vous aimez ce genre de plantes artificielles, ils ont énormément de choix. L'autre fois, je vous montrais celle-ci à 12. Franchement, ils ont du choix. C'est impressionnant. Ça, c'est très joli, ces petits vases. J'adore. À 3€, vous voyez, on a plusieurs textures. On a le texturé mat, brillant, et le brillant moucheté. 3€, le petit soliflore. On a ces belles bougies aussi, double mèche, à 8€. Et on a ces rideaux à 13€. 1m40 par 2m40 avec les petits anneaux en bois, c'est adorable. Et si on veut continuer, on a ceci à 15€. Les coussins esmés en 45 par 45, tout déhoussable. Vous voyez là, les rideaux, ils sont aussi dispo en beige.
ça, c'était posé là, mais je ne sais pas d'où ça vient, ça coûte 3 euros. On a également ces petites cloches à 5 euros. Et on a des trios comme ça de vases à 5 euros. Si on aime le style bohème, là, on peut se rajouter ce tapis là en maille coton, enfin en coton, 1m20 par 1m70. Et pour finir, on a ce joli miroir en rotin. Regardez la forme. Elle est différente des autres puisque là, vous voyez, on a tout un cadre rond. Et la fleur est bien encadrée. Ça change quand même le style. 20 euros au lieu de 25 euros. Regardez, ils ont sorti ces paniers aussi en jonc naturel. Ils sont à 8 euros. Ils font 40 de diamètre, 40 cm de hauteur. Bon, alors côté tapis, ils ne sont pas forcément nouveaux. Bon, là, ils ont fait du tri dans leur tapis, ce qui est pas mal. Moi, ce que j'aime bien ici, c'est qu'ils ont de la grande taille, 2 mètres par 3 mètres, il est à 80 euros celui-là. Franchement, il est super beau, c'est des poils courts. On a 1 mètre 60 par 2 mètres 30 à 50 euros. Vous avez aussi des 1 mètre 15 par 1 mètre 70, bon c'est vraiment petit, à 30 euros, il y en a pour qui ça suffit bien. Vous avez également des tapis pour mettre sous l'évier, ils font 1 mètre 20 de longueur, 57 de largeur, et ils coûtent 8 euros seulement. Et ils viennent de rentrer des imitations fourrure à 9 euros. En tout cas, j'aime bien comment ils ont présenté ce rayon. On y voit clair. Bon, je suis au rayon meubles. Ils ont remis cette console à 60 euros. Si vous l'aviez loupée, si elle vous intéressait, normalement, vous pouvez trouver toute la collection. Hein. Là, on n'a que la console. Vous voyez, elle est mise en situation ici. Elle fait 1 mètre de longueur, 35 de profondeur, 80 cm de hauteur. Elle est à 60 euros. On a ces deux petites tables basses à 25 euros. Elles sont... Voilà, style scandinave. La grande, elle fait 48 par 48, la petite 40 par 40. Et regardez, ils ont remis aussi le meuble, ce meuble télé à 70 euros. Celui-là, il fait 1m40 de longueur, 43 cm de hauteur, 40 de profondeur. C'est une belle collection, hein, je vous dis. Il y a celui-là aussi qui est inversé à 150 euros. C'est un buffet, un bahut, 1m20 de longueur, 80 de hauteur et 40 de profondeur. Pour le reste, on va s'armer de patience, on va attendre la nouvelle collection avec impatience. Parce que vraiment, leurs meubles, ça vaut le détour. Alors, j'ai trouvé ces poubelles, désolé, je passe du coq à l'âne, mais c'est un peu ma marque de fabrique. Je n'arrive pas à rester en place. Elles sont très bien, elles sont à 30 euros. Mais quand je vous dis très bien, c'est vraiment bonne qualité. On est sur 30-35 litres ici, à 30 euros. Ce qui justifie le prix, c'est vraiment la qualité, je dirais. Et là, à 35 euros, on a des plus grandes qui font 50-60 litres. Alors, rayon cuisine, il n'y a pas vraiment de nouveauté. Je vais juste me focus sur ce qu'ils ont rentré, notamment ces pots-là, ces bocaux. Ouh là là, on va faire gaffe, les jolis ensemble. 8 euros, le gros pot. Alors, contenance, je dirais que ça fait bien 2 litres. Couvercle en bois d'acacia. Ces petites bonbonnières-là, je ne me rappelle plus. Moi, je n'ai pas le prix dans tous les cas. C'est vendu par deux sur un plateau. J'ai bien aimé aussi ce grand plateau-là. C'est une planche à découper tout simplement à 10 euros. Je vous ai dit, moi j'ai trouvé mon bonheur de planche à découper. Vous savez que j'ai hésité entre bois, plastique, avec ce qu'on entend et tout. J'en ai trouvé une à 10 euros chez Jiffy. Franchement, je suis ravie. Elle est en granit. Du coup, j'ai plus de questions à me poser sur bois, s'abîme, les microbes, le granit. Franchement, c'est nickel, ça se raye pas. Bon, ça pèse 3 tonnes, mais voilà, ça fera l'affaire. À 6 euros, j'ai trouvé cette assiette en bois d'acacia. Vous savez que j'adore le rayon produits ménagers chez B&M parce qu'ils ont des marques que j'affectionne particulièrement, notamment Briochin. Là, ils ont rentré le super décapant anti-moisissure désinfectant. Ah, il y a de la javel. Blanchit les joints, idéal salle de bain. 5,50. 500 ml. Bon, le savon noir, celui-là, je ne vous le présente plus, c'est la base. Celui-là, c'est parfum citron. Moi, j'en ai un, d'ailleurs, qui dure 10 000 ans, parce que tellement que c'est économique, 3 euros. Je prends un bouchon que je dilue dans un litre d'eau, dans un vaporisateur, et je nettoie absolument tout. Ça me va très bien, c'est écologique, c'est bien, et ça nettoie bien. On a le super décapant cuisine, qui est très bien aussi, mais bon, maintenant que j'ai le savon noir, je ne l'utilise plus. Il est à 3,93. Là, c'est un gros conditionnement d'un litre. Oui, c'est ça, un litre. Alors ici, ils ont rentré cet anticale, qui m'intrigue. C'est le gel anticalcaire. Il paraît qu'il est plus efficace que ceux-là. Bon, ça, les pistolets, vous connaissez, hein, c'est 3 euros, 3,70. Et ça, c'est 3,26. Jamais utilisé. Après, pour les jolis qui aiment le Sanitol, ils ont aussi les pistolets. Ils sont à 2,80. Le plus petit conditionnement. On a aussi les nettoyants sol à 3 euros, 2,97.
le litre. Donc là aussi, on est sur quelque chose d'écolo. Je crois qu'on a fait le tour, les jolies. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, bien évidemment. On se retrouve un peu plus tard. Prenez soin de vous. Bye, les jolies.